Moi, c'est Julie. Moi, c'est Gérard. Et nous avons 19 ans de temps de vie ensemble de mariage. Voi sposi, avete il dono della grazia del sacramento che vi può rendere perfetti nell'amore. E allora parliamo di questo amore. L'amore è paziente e benevolo. L'amore non è invidioso degli altri, non si vanta, non si gonfia di orgoglio. L'amore non manca di rispetto. Non cerca il proprio interesse, non si arrabbia. L'amore non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. A nos 17 anni di mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les zones d'ombre de notre vie de couple. Assister d'un prêtre. Nous sommes sortis tous enrichis de cette expérience. Et le Père nous a même demandé de prier pour nous. À l'issue de cette rencontre, on a éclairé beaucoup de zones d'ombre dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. J'avais mal entendu entre nous. Et moi, quand elle m'a entendu, je boude, je ne parle pas, je parle très peu. Alors, un matin, je me réveille. Je vois dans mon placard, il y avait un cadeau. C'était mon anniversaire, j'ai pris le cadeau, j'ai apprécié. Je suis sorti, je suis sorti, j'ai présenté aux enfants. J'étais très content. Et comme ça, le marathon venait ainsi d'être visité. L'amore è tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta, tutto, qualsiasi cosa, è amore nonostante tutto. Amare vuol dire rallegrarsi per l'altro, per i suoi successi. Quanto è importante insegnare ai bambini, da piccoli, a festeggiare la gioia degli altri. Un compleanno, una conquista, festeggiarlo, perché è bello che la famiglia sia il luogo dove si festeggia la gioia. Ok, y a eu encore un autre événement. Chaque matin, les enfants reviennent dans notre chambre pour nous saluer. Et un matin, le cadet qui avait à l'époque 6 ans est entré, il a trouvé une scène. Maman était en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Mais papa ne voulait pas répondre parce qu'il était boudé. Alors un moment, l'enfant a dit à sa maman, « Maman, il faut partir, papa a compris, il faut partir. » Et on s'est entendu. Oui, nos enfants représentent beaucoup pour nous. Moi particulièrement, quand je rentre tous les jours du travail, je les salue en les embrassant individuellement. Tous les quatre, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température, leur corps, pour voir s'ils vont bien ou pas. Et quand il y a un début de fièvre, je le sens déjà. Et voilà, c'est comme ça que je les ai. C'est pareil pour la maman, c'est comme ça que je les salue quand ils arrivent. Et la force de l'amour qui supera ogni minaccia, qui fa resistere e ci rende saldi e affidabili. L'amore permette ai bambini di dire dei propri genitori: so che mamma e papà ci saranno sempre, su di loro io posso contare e posso affidarmi del loro amore.